Ouh. Ouh, dis donc. Fais gaffe, hein. Il est bien fait, ce flingue, hein. Ouais. Ah ouais, elles sont puissantes, ces billes. Ouais, ouais, c'est pas des billes. Ah, donc là, c'est un vrai? Ouais, c'est un vrai flingue, ouais. Donc, impressionnant, ça. Donc là, c'est-à-dire qu'il est chargé. Au fait, tu veux connaître la date de ta mort? Bon, ça va maintenant, là, c'est bon, ça suffit. De toute façon, tu la connaîtras bientôt. Quoi? Non, rien. Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour un nouveau prank. J'attends deux covoitureurs qui vont arriver. Je vais me faire passer pour un trafiquant de drogue. J'ai un sachet de cocaïne avec moi. Alors je vous rassure, c'est pas de la cocaïne, hein, c'est un sachet de lessive. Et je vais le mettre tout de suite dans la boîte à gants. Hop, c'est parti, on y va. Ouais, ouais, j'ai la marchandise. Ouais. 1 kilo, hein, comme prévu, ouais. Mmh. Ouais, bien sûr que c'est de la pure. Hein. T'inquiète, attends, tu me connais, non? Ok, attends, faut que je te laisse. Ok, ciao, à plus. Ça marche, le commerce? Tant qu'on n'a pas les flics au cul, ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même branche. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? L'intuition. Tu vends quoi? Regarde dans la boîte à gants. Attends, mais si... C'est de la coke. Ouais, 1 kilo. De la Colombiana. C'est de la pure. T'en as pour combien là-dedans? 150 000 balles. Garde-toi là, s'il te plaît. Bon, non, pourquoi? Police, t'es en état d'arrest. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Bon, là, c'est un putain! Non, c'est un prank! Ouais, c'est un prank, un keuf, un flic, une sale race, quoi! Non, crève, c'est un prank, crève. C'est des conneries, qu'est-ce que tu fais? Bon, on fait moitié-moitié, on est d'accord? La moitié de quoi? Quoi, quoi? Tu fous pas de ma gueule, toi! Je te fous dans le coffre avec l'autre prank, ok? Je te crève! Prends tout! Hein? Ouais, c'est bon, c'est pour toi! Elle est bonne au moins? Oui. C'est de la Colombiana. Touche pas. Ah. Non. C'était juste une caméra cachée. C'était un prank. Poteau. Ah bah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. C'est vrai que ça repose. Oui, bah ça va. Fais attention, bordel! Attends, mais d'abord, pourquoi t'as un flingue chargé dans ta caisse, toi? Parce que je tue les gens qui m'énervent, voilà. Alors peut-être, mais tu sais que c'est hyper dangereux. C'était un ancien Marines, apparemment. Mm. Non, mais ça fait quoi? Ça fait 2 balles par personne? Vous vous rendez compte? Un mort. Qu'est-ce qu'il a, votre ami? Il est un peu pâle, non? Ça, c'est parce qu'il est mort. Mais comment? C'est papa, il a mis 2 coups de fusil à gazo! C'est Saraki, elle l'a quitté, il s'est mis 2 coups d'opinel. Ça quoi? Ouais, ouais. Ça? Salope. Alors, y a cousin, il devait prêter un corbeau, mais il a pas prêté, sans trésor. Attendez, qu'est-ce qu'il fait, votre fils, là? Oh, fiston, touche pas, Saraki! Moi, tu m'as dit de prendre l'autre! Touche pas, je vais te marrer! Pense à plus tard. Là, je suis vraiment désolé pour vous, hein. Ah, bah merci, mon paillot. Vous étiez proche? C'était l'amant de maman! C'était le frère de mon grand-père. Mais il est pas un peu jeune pour ça? Oui, bon, arrête de m'embrouiller, la carte de ses morts, là, c'était le frère de mon père. Ah, c'était votre oncle. Vous allez l'enterrer? On va vendre son corps en Pologne. Mais ferme ta gueule! On va le brûler à Sainte-Marie de la Mer, là, c'est vrai? Sainte-Marie de l'enculé! Aïe, aïe, Sainte-Marie de la Mer, c'est la culture des gens du voyage, je trouve ça beau. Vous allez conserver ses cendres et vous recueillir dessus, c'est ça? Après, comme je dis toujours, c'est triste, mais faut profiter de ce qui reste. Ah bah là, il n'en reste plus, hein. C'était le dernier de sa famille. Sa famille d'enculé! Ouais, je vous comprends. Après, nous, notre grand-mère, on n'a pas voulu l'incinérer. On l'a enterrée avec tous ses bijoux, pour qu'elle soit bien. Et vous l'avez enterrée où, là? Tu veux bien me rendre le pistolet? Attends, j'ai toujours voulu faire un truc.
Et qu'est-ce qui se passe? Oh, mon ami, so vous n'êtes donc pas décédé? Bah non, pourquoi? Excuse-moi, tu veux bien ranger ton pistolet, s'il te plaît? C'est pas hyper rassurant. Ah, vous les Français, vous faites tout à l'envers. Si j'ai un gun, c'est justement pour qu'on soit rassuré contre la menace. Ouais, quelle menace? Well, elle peut venir de partout. De Louis, par exemple. Comme par hasard. Ah, oh, je dis pas ça parce que toi, arabe, eh? Coincidence. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu peux vider tes pockets? Pourquoi faire? Par précaution, j'aimerais que tu vides tes poches, parce que tu peux représenter une menace pour moi. Enfin, Michael, mais je vais pas te faire de mal. Ah non, il faut que t'aies confiance en moi comme moi j'ai confiance en toi. C'est un principe de base du vivre ensemble. Tout va bien. Vous, les froggies, vous faites trop confiance. Ok, alors, supposons que tu es un vrai terroriste. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, comme on dit chez nous, c'est le mec tout, hein. Pas de chance. Oh non, 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 je te bute. Parce que tu es un enculé de terroriste et que j'ai un gun. Ok, ça va avec le gun. Eh, hey, t'inquiète, je maîtrise. Hey, tu veux que je te dise, pour moi, la menace dans la voiture, c'est pas lui, c'est toi. Merci. Parce que toi, tu vois, bah, t'as un objet dans la main, t'as juste appuyé sur la gâchette et je suis mort. Et ça, bah, ça fait un peu peur, non? Oh, c'est juste, c'est juste. Il te faut aussi un gun. Tu te sentiras plus rassuré contre la menace. C'est agréable, hein? Ouais. Les gars, vous êtes tous les deux armés, je ne me sens plus du tout en sécurité, là. Bah, c'est vrai, faut lui filer un flingue aussi. C'est juste. Hey, tiens. Merci. Ah. Vous sentez comme tout à coup on se sent plus en sécurité dans ce Coco Void? Shifumi! Ah oh, putain! T'es vraiment nul! Ah, 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 the fuck! Qui fait danser les filles? Qui fait danser les filles? C'est Zibo! Zibo? Ah bah merci mon dieu. Allez, hein? Assez joué. Alors fais attention parce qu'un coup peut partir très vite. Ah. Et j'en sais quelque chose. Bah, le chargeur est vide. Ah bah ouais, il est vide. Et ouais. Putain, y'a plus de pain. Ça va, y'a pas mort d'homme. 33/9, qu'est-ce que ça fait, non? Oh mon dieu. Je vais me faire passer pour un trafiquant de drogue. Ouais, j'ai ce sachet de lessive avec moi. Alors je vous rassure, c'est pas de la lessive. Et c'est pas de la lessive, c'est de la coke. C'est de la coke. Oh, Gabi. T'es désarmé face à mon mauvais jeu d'acteur. Mon ami, vous n'êtes donc pas décédé? Ah non, pourquoi? Merde. Marion Cotillard, faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom. 3, 4. Sur les trajets, en cocorade, j'adore chanter, ça donne la patate. Tu peux la jouer, la jouer, relax, ou faire comme nous, t'éclater un max. T'es en colère et t'as le moyen d'être en colère. On dirait un personnage de SS 117 000. C'est trop Greg. Le mec trop cramé qui regarde autour de lui. Ouais, mais c'est vraiment le prankeur de merde. C'est clair, hein, j'ai la coupe. Ouais. Attends, je te laisse, je vais être discret. Ouais, ouais. C'est trop drôle. Attends, je crois que je suis cramé là. Bon, je pense à un prank comme ça en nombre d'abonnés. Tu grimpes, hein? Ah, là, je pense avec un meurtre et tout. Tu dis, bon, j'ai quand même décidé de le diffuser. C'est juste pour dire à tous ceux qui veulent faire des caméras cachées, n'allez pas trop loin. C'est juste pour ça que je vous le montre. C'est la farine le. J'en ai gagné. On est d'accord, c'est de la farine. Ok. Ah ouais, ça doit être bien désagréable. C'est assez désagréable. Avec les cheveux bien mouillés et tout. Non mais, c'est du gel. C'est du gel. C'est du putain de gel, mec. J'ai 300 grammes de gel sur mes bouches. Ça tient bien, je pense, là. Ouais. Avec les... complices. Enfin, piégés. Je... Bah ça, c'est parce qu'il est mort. Ah bah ça, c'est parce qu'il est mort. On va avoir son corps en polonais, en filet. Ferme ta gueule. Désolé, pardon. Papa, il y a eu du coup de fusil à pompe. Ah, c'est ça. Pardon, désolé, on y va.
Je suis désolé. Tu n'arrives pas à mourir, bordel. Si, c'est bon, on l'a, j'ai pas rigolé. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Merci. Ah là là, coco, mec. Hey, merci d'avoir choisi Sympa Cool. Va voir nos autres vidéos, elles sont trop bien. Genre celle-là, par exemple. C'est un mélange très concentré de camembert et de jus d'orange dans une toute petite pastille. C'est ma préférée. Et merci si tu nous soutiens sur Tipeee, ça nous aide à rester indépendants, on est en autoproduction. C'est cher ces trucs-là, hein. Tu vas le sentir sur ton compte en banque. Ah ouais, abonne-toi. Yeah, yeah.